Salut! Hi! Coucou! Bonjour! Bref, aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez compris déjà, pour une nouvelle vidéo. Et ce sera une vidéo mes lunettes. La plupart c'est des lunettes de soleil, mais aussi il y a des lunettes fantasy un petit peu. J'ai de la chance, j'ai la vue 100%. Et du coup, les lunettes fantasy qui sont transparentes, du coup, c'est juste pour donner du style. La plupart des lunettes, ça vient de soit chez Primark, soit AliExpress, soit chez New Look. J'ai acheté quelques paires. Et puis voilà, il y a juste une paire qui est la vraie marque. Je vais vous montrer tout ça et je vais vous dire un petit peu avec quoi on peut associer ces lunettes de soleil, quel style. Mais c'est propre à vous de décider parce que chacun choisit son style, ce qu'il aime porter, ce qu'il... dans quoi il se sent bien. Voilà, sans plus tarder, on va commencer. Alors que je pense qu'on va commencer plutôt avec des lunettes de soleil parce que là c'est le plus actuel. En ce moment il fait très très beau dehors, c'est juste la kiff, c'est vraiment l'été. Alors on va commencer avec la première paire de lunettes qui est hyper jolie, je ne l'ai jamais portée pour l'instant. Je l'ai commandée cet hiver chez AliExpress. Elle est super belle cette paire de lunettes, je l'adore. Elle est hyper fragile c'est vrai, mais elle est vraiment, je peux dire, de bonne qualité. Voilà, ça fait pas ni cric ni crac. Elle m'a coûté vers 4€ je pense. Si vous voulez, dites-moi quelle paire vous intéresse, je vais vous mettre je vais répondre en commentaire. En fait, elle est hyper, je pense que c'est un dupe, je sais pas de quelle marque, mais je pense que c'est un dupe d'une marque. Elle est... Il n'y a pas de marque marquée nulle part, c'est vraiment un dupe, c'est pas une contrefaçon. J'adore, elle est vraiment hyper stylée cette paire de lunettes. Vraiment ça fait classe, mais je trouve qu'on peut le porter même avec un petit peu streetwear. C'est pas toujours les vêtements classe qu'il faut porter avec cette paire de lunettes. Bref, vous m'avez compris. Voilà, j'adore cette paire de lunettes. Il y a des reflets un petit peu rose gold, ce que j'adorais aussi. Bref, j'adore. La deuxième paire de lunettes, j'ai acheté chez Primark pour 3,50€, si je ne me trompe pas. Sinon, c'est 4€, pas plus. Jamais ça coûte plus cher chez Primark. J'adore cette paire de lunettes. Elle est un petit peu fondue. Là-haut, c'est fait. J'arrive pas à parler. Là-haut, c'est plus foncé qu'en bas. C'est fondu en fait, les verts. Il y a un petit chat. Les oreilles de chat, c'est hyper mignon, je trouve. Je trouve que cet été, je vais le porter assez souvent, cette paire de lunettes. Je sais pas, c'est vrai que j'ai la tête à lunettes. J'adore des lunettes de soleil. À chaque fois, je trouve que j'ai besoin encore et encore, alors que j'ai déjà plein. Mais bon, j'adore. Elle est trop trop belle, cette paire de lunettes. Alors, encore une paire de lunettes de chez AliExpress. Je l'ai payée 3€, je pense. Ça fait un petit moment. Ça fait au moins un an que j'ai cette paire de lunettes. C'est dupe de... Et encore une fois, la marque, elle est marquée nulle part. Vraiment, c'est un dupe de chez Dior, si je ne me trompe pas. Sinon, corrigez-moi en commentaire. J'adore cette paire de lunettes aussi. Elle va avec tout. Je l'ai portée en vacances avec les baskets. Et la soirée aussi, en restaurant. Ça y va avec des robes, avec tout cette paire de lunettes. J'adore. Il y a des petits détails dorés, je la trouve très très belle cette paire, vraiment top. Là, c'est la paire de lunettes que je porte le plus en ce moment là. Elle va pareil, elle va avec tout. L'imitation un petit peu Kim Kardashian, je sais pas encore, je crois que c'est l'imitation Fendi, je sais pas c'est quelle marque. Mais je la trouve très sobre, très classe, vraiment il n'y a pas de détails dorés ni rien du tout. C'est vraiment tout simple. Je l'ai acheté cette paire encore une fois chez AliExpress, mais j'ai vu la dernière fois que je suis allée chez Primark, j'ai vu qu'il y a exactement le même paire. C'est un petit peu fondu aussi, j'adore ça parce que en fait vos yeux se trouvent ici, la partie où c'est plus sombre. Du coup on voit pas vos yeux, mais ça fond un petit peu et ça fait l'effet, j'adore cet effet. Vraiment, je vous recommande pour vraiment petit prix. Je crois que chez Primark, elle coûte maintenant 4€ cette paire de lunettes. Et moi, j'ai payé 5,50€, un truc comme ça, sur AliExpress cet hiver. J'adore. Encore des paires de lunettes. Alors, les trois paires qui vont suivre, je trouve que ça va très très bien en mode calme, en mode festival. Ça fait vraiment...
trop zen, j'adore vraiment. Par exemple, cette première paire de lunettes que je trouve juste trop canon. Regardez, j'adore, ça fait vraiment mode festival quoi, Coachella et tout. J'adore et je trouve qu'avec les bandeaux rouges, ça va très très bien parce qu'il y a le reflet bleu et rouge, je trouve que ça se marie très très bien. J'ai acheté cette paire de lunettes chez AliExpress. Oui, chez AliExpress. Et j'ai payé cette paire 2,50€. Vraiment pas cher, mais c'est vrai qu'elle est hyper fragile cette paire de lunettes. Elle est vraiment hyper fine et tout et tout. Vraiment, il faut faire hyper gaffe avec. Mais voilà, pour se donner un petit style et tout, je vais pas porter non plus ça tous les jours. Voilà, je trouve ça juste trop trop beau. La deuxième paire de lunettes en mode Coachella, pareil, c'est celle-là. J'ai kiffé, je trouve ça trop trop beau. Regardez, c'est des grosses lunettes toutes rondes, fondues un petit peu. Je les ai achetées chez New Look, c'était il y a un mois je crois. Du coup, je pense que vous pouvez trouver encore cette paire de lunettes en magasin. Je l'ai payé 9€ ou un truc comme ça, 99, un truc comme ça. J'adore, vraiment trop festive. J'adore cet esprit-là. Au top. Et la troisième paire qui va très bien avec ce bandeau, je trouve, c'est la paire de lunettes Ray-Ban. C'est la marque, c'est de vrai. Je l'ai, ça fait 3 ans, je crois. C'était mon cadeau d'anniversaire et du coup je trouve qu'ils sont très très bien. Pareil, en mode un petit peu festival. Et en intérieur ils sont orange et de l'autre côté ils sont marron un petit peu. Je sais pas comment on appelle cette paire de lunettes, il y a le nom, j'oubliais. Si vous savez, dites-moi en commentaire. J'adore, elle est trop trop belle, c'est vraiment de bonne qualité, top. Il reste encore quelques paires et la prochaine c'est celle-là, elle est toute simple. C'est comme des Ray-Ban, imitation Ray-Ban. Je les ai achetées chez H&M l'année dernière. Elle est toute simple, cette paire de lunettes, marron un petit peu, effet Ray-Ban. Trop bien, un petit peu fondu aussi, j'adore. Je pense que vous avez remarqué, j'adore ça, quand c'est fondu un petit peu le verre. Elle est très très bien, très pratique, ça passe vraiment avec tout cette paire de lunettes, vraiment vraiment. Alors je vous recommande. Ensuite, on passe aux lunettes fantasy. Celle-là, je n'ai jamais porté, je vous dis la vérité. Mais je la trouve assez sympa pour faire un petit look, je sais même pas en fait. Mais quand j'ai vu sur les sites, sur AliExpress d'ailleurs, je sais pas, ça m'a donné trop envie, j'ai commandé ces lunettes, mais je sais pas avec quoi l'associer. Je trouve ça un petit peu vulgaire, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça avait vraiment film X un petit peu, je sais pas, peut-être je pars dans le délire un petit peu, mais dites-moi en commentaire, je sais pas. Elle est belle cette paire, elle est de bonne qualité aussi, mais je sais pas, ça me va pas je trouve, je sais pas, dites-moi. Et la dernière paire que j'adore, vraiment, ça fait un petit peu, comment on appelle ça, Harry Potter, un petit peu, vous voyez, la fille qui sait tout, qui est devant prof, toujours en train de répondre à toutes les questions, je sais pas. Maintenant, c'est très tendance, ce lunette comme ça, là, un petit peu rond, mais pas rond, vous voyez ce que je veux dire? J'adore, vraiment j'adore. Je les ai achetées chez... Si je vous mens pas. Chez Pinky, je crois. Je veux pas vous mentir, je crois que c'était chez Pinky. Pareil, pour une dizaine d'euros. J'ai trouvé ça super sympa et c'est pareil, ça passe avec tout. Voilà les amis. Je fais les cons. Voilà les amis, sur ce, je veux vous dire au revoir. Je vous souhaite une très très belle été. Bon été, bel été, je sais pas. Bref, excusez-moi. Je vous souhaite des bonnes vacances. Profitez bien, reposez-vous. Attaquez la nouvelle année avec la force, power et tout ça. Vous m'avez compris. Alors, je vous dis au revoir. À bientôt pour les nouveaux... Au rendez-vous, je sais plus quoi dire. Bref, la fille est bien passée. Bref, bisous. Au revoir.